Chers clients, chers amis voyageurs, c'est depuis le Mexique, et plus précisément depuis le Yucatan, que j'ai la chance de m'adresser à vous pour les vœux de cette nouvelle année. Je me trouve actuellement à l'hôtel Chablé Resort. Il s'agit d'une ancienne hacienda transformée en hôtel il y a tout juste quelques mois et qui a déjà obtenu de nombreux prix. Notamment un prix du Condé Nast qui le classe parmi les 50 plus beaux hôtels du monde. J'ai donc eu très envie de partager cette nouveauté avec vous. Et je vous laisse ainsi découvrir les coulisses du Cercle des Vacances. Comme vous le savez, ce qui compte pour moi, c'est une connaissance approfondie de nos voyages. Une authenticité, une qualité, c'est une des valeurs du Cercle des Vacances, l'expertise. Bien évidemment, tous nos conseillers ont une connaissance académique sur leur destination, histoire, géographie, mais en plus, ils ont une véritable expérience terrain, ce qui apporte la vraie valeur ajoutée du Cercle des Vacances. Alors, me direz-vous, concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, tout simplement, comme je suis en train de le faire lors d'un voyage de repérage, nos conseillers se rendent 2 à 3 fois par an sur leur destination pour visiter de nouveaux hôtels, dénicher de nouvelles adresses, tester les restaurants et rencontrer les guides locaux. Puis, lorsqu'ils sont de retour à Paris, nos conseillers enchaînent sur des réunions de travail avec nos services de production. Validation du produit, bien évidemment, validation du tarif et mise en ligne sur nos sites web. L'une des valeurs du Cercle des Vacances, c'est également le prix juste, celui qui correspond au service que vous avez acheté. Une autre valeur clé du Cercle des Vacances, c'est l'humain. J'ai toujours eu très à cœur que vous soyez bien accueillis par nos conseillers. D'ailleurs, nous avons repensé ici nos locaux à Paris pour vous recevoir dans des espaces dédiés plus intimes, afin que vous vous sentiez comme chez vous. Et puis, sachez que nos conseillers peuvent se rendre à votre domicile ou à votre bureau. Ce sont nos conseillers qui sont à votre disposition, et pas l'inverse. Je ne parle que de Paris, mais nous avons également des conseillers en région. Nous avons une dizaine d'experts situés notamment à Lyon, Toulouse, Perpignan, Nantes, Strasbourg et à Dijon. Et depuis cet automne, nous ouvrons des agences de voyage éphémères. Nous avons fait cette première expérience à Bordeaux. Rocco, depuis combien de temps tu connais le Cercle des Vacances ? Ça fait longtemps que je connais le Cercle, et surtout parce que les conseillers, ils m'appellent parfois pour me recommander ses clients, pour me dire des choses, pour me informer ce qu'ils préfèrent. Et c'est ça pour moi la différence entre acheter sur Internet ou sur mesure comme le Cercle des Vacances. Voilà, oui, c'est ça le vrai sur mesure, et c'est ça la différence, comme le dit justement Rocco, entre un voyage acheté sur Internet et un voyage acheté au Cercle des Vacances. Spécialiste du voyage sur mesure, c'est un vrai métier qui ne s'improvise pas. En effet, pour la plupart d'entre vous, un voyage sur mesure, c'est un voyage lointain, parfois coûteux, parfois le voyage d'une vie. En amont, vous exprimez vos souhaits, vos envies d'évasion, et votre conseiller vous concoctera votre voyage en fonction de votre budget, de votre profil. Le conseiller doit être facilitant et aidant. Alors c'est vrai que le métier a beaucoup évolué depuis 20 ans. Aujourd'hui, vous trouvez énormément d'informations sur Internet. Mais à la différence, votre conseiller saura faire la connexion entre vos souhaits, vos envies et sa connaissance, ainsi que toutes les nouveautés qu'il connaît. Écoute, moi je vois dans ta page web des très jolies vidéos. Explique-moi un peu plus sur ça. Oui, alors effectivement, ce sont pour la plupart du temps les vidéos de nos clients, parce que je suis convaincue que les meilleurs ambassadeurs du Cercle des Vacances, ce sont nos clients eux-mêmes. Alors voilà comment ça se passe quand un client part avec nous. Nous lui offrons le montage d'une vidéo, et s'il le souhaite, nous publions sa vidéo sur notre site web, sur notre chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Excellent. En 2018, nous souhaitons continuer à faire de chacun d'entre vous des ambassadeurs du Cercle des Vacances. Chers amis, chers voyageurs, je vous souhaite une bonne année 2018, remplie de beaux voyages, d'explorations, de découvertes. Très bonne année à tous.